passe si vite quand je me remémore ce qu'a été le début de cette aventure Miss Côte d'Ivoire, le parcours qui m'a mené jusqu'ici, donc un déborde de gratitude. Avec vous tous à mes côtés, de nombreux paliers ont été franchis les uns après les autres. D'abord, Miss Amsterdam pour 2021, puis Miss Côte d'Ivoire, ensuite Miss Côte d'Afrique, et deuxième défi Miss Côte. Enfin, depuis mon retour de Puerto Rico, je me suis vu accorder le privilège d'être élevé au noble rang de citoyenne d'honneur de Cocody et d'ambassadeur du tourisme de Côte d'Ivoire. Que de bénédiction. J'éprouve un profond sentiment de reconnaissance à l'égard de Dieu qui l'a rendu possible. Je m'incline aussi devant mes parents qui me soutiennent tellement. Merci à tous d'avoir cru en moi. Cette aventure a été une vraie école de la vie et j'en sors plus instruite et plus accomplie. Merci aux commissaires de m'avoir donné son entière confiance, aux partenaires pour leur inestimable appui et à chaque Ivoirien, chaque Africain que j'ai eu l'honneur de représenter. Un merci spécial à Madame Dominique Ouattara, notre marraine, et son époux, le président Alassane Ouattara, pour leur accompagnement au plan national et international. To the Miss World Organization, headed by Julia Boyling, to the amazing Miss World, Carolina Bielowska, and to my sisters from the world who have befriended us for being present in Côte d'Ivoire for this memorable event, I extend my gratitude. Rempli de reconnaissance à Dieu, je tourne mon cœur vers lui pour lui rendre à nouveau toute la gloire. Une standing ovation. Une standing ovation, s'il vous plaît. Une standing ovation. Miss Côte d'Ivoire 2021. Miss World Africa 2021. Olivia.